Coucou Olivia. Les livres de Margaret Rogerson, c'est vraiment les livres que j'aurais voulu écrire. Salut, c'est la fille qui était là. Je vais filmer des weekly vlogs. Je vais filmer toute la semaine et machin, truc comme ça. Je serai organisée et tout. Et ouais, et là on est samedi 25 juin. Il est 3h du matin. Et je commence un nouveau vlog. Bonsoir et bienvenue. Je voulais monter un nouveau vlog. Et je viens de me rendre compte que ça fait une semaine que j'ai pas vlogué. J'avais pas capté. Donc bonsoir, samedi 25 juin, J-2 avant mon anniversaire. Je vais être vieille, je vais avoir 26 ans. 26 ça sert à rien, l'année dernière c'était 25, c'était la honte de d'être Catherinette et tout ça. Mais là 26, on s'en fout. Oh comme c'est mignon, je courais dans ce vlog là. How cute. C'est plus le cas. Parce que oui, alors c'est ça qui s'est passé. Alors du coup, what you missed on Glee, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, j'étais en train de vlogger, tranquille, Emile, voilà, vous avez dû voir le vlog que je suis en train de monter maintenant, Inception. J'étais en train de lire, tout allait bien, j'allais courir tous les jours. Tout à coup, la canucule, la cuticule, la cabeça qui... Ça s'est pas bien passé pour moi. Genre vraiment, quand je dis que j'aime pas l'été, j'ai failli mourir en fait, to be honest. Parce que je suis pas en forme, donc c'est pour ça que j'essayais de courir tous les jours pour retrouver la forme et machin, ouais je l'ai pas trouvé encore. Et je suis pas en forme, je suis en surpoids et je suis... Et bref, et la chaleur ça va pas du tout. Et donc ce que je faisais c'est que j'étais avec ça là, mon super ventilo, dans la tête tout le temps, sauf qu'au bout d'un moment ça fait mal à la tête et mal aux oreilles, bref. Voilà, mais donc tous les jours j'étais avec ça, avec les volets fermés et étoile de mer sur le lit, et j'attendais que ça passe. Et donc du coup je savais pas trop quoi vous vloguer, parce que en fait entre temps j'ai lu, mais aussi je suis devenue zinzin et j'ai changé de personnalité, donc du coup j'osais pas trop vloguer parce que j'étais un peu bon. je suis un peu devenue zinzin, donc voilà, j'étais en étoile de mer et j'ai pris ma Kindle et j'ai lu. Et vous vous souvenez sans doute que je pense que c'est dans ce vlog là que je vais monter, que je dis que j'avais lu la saga Plated Prisoner de Raven Kennedy et que j'aimais pas. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais pas, et qu'est-ce que c'était Akomaf version Lidl et machin. Ouais, et ben j'ai continué. J'arrive plus à m'arrêter et j'arrive plus à arrêter d'y penser. J'aime bien. Donc voilà, en fait voilà, je suis devenue zinzin, donc j'ai pas trop envie de vlogger parce que je comprenais pas encore mes sentiments. J'avais lu le tome 1, tome 2 je crois dans ce vlog là, j'avais commencé le tome 3 et après j'avais dit ouais je dis NF à 69%, à 69% en plus, là je m'étais énervée à 69% et j'étais là ouais, il y avait la première scène olé olé, elle était même pas bien, ce qui est vrai, il parle trop le type, il parle trop. Mais en même temps, quand je pense au livre de Nesta et Cassian, Cassian aussi parle trop, mais bon bref. Donc du coup voilà, la scène olé olé, j'étais en mode ok, bah, si c'est comme ça à chaque fois. Et c'est vraiment, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est vraiment Akotar version Lidl, parce que vraiment c'est la même chose, les mêmes plots, les mêmes personnages. Donc j'ai fait bon bah vas-y, je dis NF parce que je veux pas perdre mon temps. Mais le fait est que j'aime bien moi Akotar. J'aime bien Akomaf. Et j'aime bien relire Akomaf sans que ce soit vraiment Akomaf et que ce soit presque une fanfiction en fait. Et donc du coup j'étais encore dans l'univers et tout, je pensais au personnage et je me disais... Mais en fait je savais strictement, je me disais pas qu'est-ce qui va se passer, parce que je sais ce qui va se passer, moi j'ai lu Akotar. Donc c'est bon, mais je me disais jusqu'à quel point elle va recopier. Plutôt. Et donc ça m'intriguait et j'ai repris le tome 3. Et j'ai mis 4 étoiles au tome 3, je crois. Parce que c'était bien. En fait, c'est vraiment Akotar, mais le pacing est différent. C'est-à-dire que les livres, pour l'instant, il y en a 4 et va y en avoir 5. Pourquoi j'ai plus de place chez ma cat memoir? J'en ai... Je reviens, j'ai plus de classe. Ça fait longtemps. Mais j'ai plus de place aussi sur ma carte mémoire. Ok, here we are again. Donc,
Ça y est, j'ai de la place sur ma carte mémoire. Et j'ai toujours pas de classe, par contre. Mais donc, voilà, le tome 3 de Akotar Lidl, là. Akomaf Lidl. Oui, 4 étoiles. Et du coup, le pacing n'est pas le même. C'est-à-dire que le tome 1, c'est Akotar. Pour ceux qui ont lu, voilà. Le tome 2, c'est encore un peu Akotar. Donc, c'est encore un peu le tome 1 de Akotar. Mais on bascule sur le tome 2. Donc, un petit peu d'Akomaf. Et le tome 3... que j'ai lu là, c'est complètement Akomaf, du coup. Pour ceux qui savent ce que vous saviez, vous sachiez du coup. Mais donc voilà, le pacing n'est pas le même, c'est-à-dire que c'est encore plus lent. Oui, c'est possible de faire encore plus lent que Sarah J. Maas, parce que déjà, Sarah J. Maas, elle parle trop. Et je me disais, bon, bah c'est un peu trop, mais alors, c'est possible de faire plus lent. Et bref. Mais le fait est que... j'aime bien... C'est le type de roman de Tessie que j'adore. En plus, il n'y a même pas beaucoup de romances, c'est incroyable. Enfin, je sais pas pourquoi j'aime trop. Il y a beaucoup de couples politiques, il y a beaucoup... C'est très comme Akotar, le tome... là, je suis en train de lire le tome 4. Et si vous voulez, il y a une relation comme Nesta et Cassian. Mais vraiment, c'est Nesta et Cassian. Je les appelle Nesta et Cassian parce qu'ils ont d'autres noms. Mais c'est Nesta et Cassian, je suis désolée. Bref. Et c'est exactement la même relation. Et donc, j'ai l'impression de relire le truc. Mais j'aime bien. Dans Akotar, pareil, le personnage principal féminin, Feyre, elle prenait des mauvaises décisions, elle était un peu... On avait du mal à la comprendre, etc. dans le tome 1. Et là, c'est encore pire, vraiment. Je vous dis, ce truc où on a une relation toxique et tout, on est vraiment... On est dans la tête de notre personnage principal, mais elle nous explique pas assez ou pas assez bien. Il y a des flashbacks, mais c'est pas assez bien fait. Sa relation avec ce type, et on sait pas du tout... Pourquoi? Enfin, après, bon, il y a pas vraiment de grand pourquoi, hein, c'est juste que Ménard trash, mais comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée avec ce type, quoi? Et puis pourquoi elle l'a pas quitté? Et pourquoi, enfin, voilà, on sent pas qu'elle est amoureuse, en fait. C'est ça le truc, elle nous dit « Ah, je suis trop amoureuse !» T'es là « Oui, ah bon ?» Le mec est horrible. Et donc, voilà, ce truc-là est encore moins bien fait. Mais en même temps, voilà, c'est pas le truc le plus important de l'histoire, mais bon, voilà. Le méchant est encore plus méchant. Ça a de la romantésie dark où on parle de traumatisme, où on parle... Il y a des trucs pas gore, mais il y a des trucs assez traumatiques. Et... Enfin, si, en fait, gros trigger warning dans le tome 1 et le tome 2... Enfin, dans le tome 1, surtout pour viol et trucs comme ça. Et c'est très médiéval et la condition de la femme est pas au top. Et voilà, mais... C'est les romantessies que j'aime bien. Parce qu'après, les femmes pètent un câble et elles tuent tout le monde et c'est elles qui deviennent les queens et c'est mon genre de romantessie, je suis désolée. J'adore à chaque fois. Bon, au début, on est en mode oh mon dieu, quelle horreur, quelle horreur. Et après, elles pètent un câble, elles tuent tous les hommes, sauf 2-3, et elles deviennent reines et moi je suis là. C'est les mêmes ficelles, c'est le même truc, c'est la même chose, le même plot, mais il s'avère que j'aime bien. Il s'avère que j'arrive pas à laisser tomber les personnages et je suis à fond dans l'univers et j'ai envie de lire la suite. Et donc du coup là je suis en train de lire le tome 4 du coup. Je sais même plus on est au combien là. Et dans ce tome 4 on a le début de la relation Nesta et Cassian là. Oh, 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 j'aime trop. Je fangirl mais comme si j'avais pas lu Akotar quoi. C'est insupportable. Bref. Donc voilà j'adore. Là le tome 4 pour l'instant c'est 5 étoiles. Hein. C'est pour ça que je voulais pas vlogger, franchement j'ai changé. Je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment avec les romans de Tessie. C'est que j'ai plus aucun goût, je sais pas. J'ai plus de goût, d'ailleurs je vais vous parler du livre que je suis en train de lire maintenant et c'est pareil, j'ai plus de goût, je sais pas. Pour moi, tant que ça apporte sérotonine et que ça me rend happy d'une manière ou d'une autre et que voilà, et ben j'adore. Et du coup mes goûts sont complètement what the fuck. Et donc voilà, le prince cruel ça avait fait ça. J'ai remarqué que le prince cruel, il y avait beaucoup de gens qui pareil avaient eu du mal avec l'écriture et qui comme moi avaient trouvé que voilà le tome 1 et le tome 2 voilà. Mais j'ai adoré le tome 3. Mais donc voilà, j'ai plus de personnalité et donc je sais pas, en ce moment je fais que de commencer des sagas où je suis en mode j'aime pas hein, mais je continue je sais pas pourquoi. Puis après au bout du tome 3 ou du tome 12 000 je suis en mode ah j'adore. Donc bref. Je vais pas bien, sinon ça va vous. Voilà, et en ce moment je suis en train de lire un livre aussi... Enfin, j'ai toujours pas fini An Enchantment of Ravens d'ailleurs de Margaret Rogerson parce que je suis zinzin comme ça, j'arrive pas à finir, bref. Même si c'est bien, je suis toujours en train d'enjoy mais j'ai pas fini. Et j'ai commencé un livre parce que TikTok est dangereux. Enfin, en fait j'étais sur Instagram et j'ai vu des TikTok, enfin du coup des réels, d'une autrice
américaine qui s'appelle Candy Steiner et elle fait des TikTok. J'aime trop comme les autrices américaines, elles font leur pub dans les TikTok, mais vraiment elles font juste une danse TikTok et elles écrivent des bouts de leurs livres sur l'écran pendant qu'elles dansent. Et vraiment, et ça marche! Parce que je comprends pas le principe. Il y a une musique, elle danse, t'as des bouts du livre, et je suis là, ah ouais, t'as envie de lire. Alors que l'outil marketing est vraiment what the fuck. Mais bref, et donc ça a trop marché. Cette autrice-là, elle a fait ça, en gros, elle dansait sur une musique, et elle disait, dans mon livre, il y a ça, 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 ça. J'ai fait, ok. Et donc je l'ai pris sur Kindle Unlimited. Le livre, c'est Blindside, je crois, de Candy Steiner. Dans son TikTok où elle danse là, elle a mis les tropes, donc elle a mis ce qu'il y avait dans le livre. Donc elle a dit c'est un fake dating, donc ils font semblant de sortir ensemble. C'est un... La fille, c'est une nerd, elle est fan de livres, de romances, et vierge et machin. Et lui, c'est le footballeur, et il va lui apprendre à séduire quelqu'un d'autre, et gnagnagna. Et bref, toutes ces tropes qu'on connaît très bien, elle avait dit ça dans son TikTok et j'étais en mode ah, pourquoi pas. Et en vrai, si vous avez lu The Deal de Elle Kennedy, c'est ça. C'est pareil, fanfiction. C'est exactement la même chose parce que vraiment, The Deal, je l'avais lu, je m'en souviens. Mais même au point près que dans le livre de Elle Kennedy, on parlait des One Direction, donc c'était il y a plus longtemps. C'était le bon vieux temps. On parlait des One Direction. Et là, dans ce livre-là de Candy Steiner, on parle de Harry Styles, et donc vraiment le livre c'est pareil. C'est vraiment, et c'est très tropey. Je sais pas quoi dire d'autre à part c'est tropey, genre trope. Je sais pas comment dire en français la ficelle, genre les trucs par exemple, fake dating, enemies to lovers, trucs comme ça, c'est des tropes, donc c'est des ficelles qu'on retrouve dans des livres. Et là, vraiment, Candy Steiner, elle a dit je prends ça, 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 et je. Et j'écris la fanfiction, quoi. Enfin, le truc scolaire de la trope, comme ça, où on a un fake dating. Donc, bien sûr, c'est cette jeune fille qui est nerd, machin, et qui est amoureuse d'un rocker qui joue de la guitare et machin, mais qui ne la remarque jamais et tout. Et en fait, elle tombe sur ce footballeur qui vient de quitter sa petite amie, enfin c'est sa petite amie qui l'a quitté, et il est en mode viens on fait semblant de sortir ensemble, comme ça ma petite amie va vouloir revenir avec moi et toi tu pourras choper ton rockstar là. Petit à petit, bien sûr, il tombe amoureux, bien sûr, vraiment la fille nerd qui aime les romances et machin, et elle est dans son appartement et lui il prend un livre de romance et il ouvre au moment d'une scène olé olé et il se moque d'elle et machin, et t'es là et bref, vraiment les tropes. Mais écrit standard, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment les tropes, c'est les vibes, j'en veux plus. C'est très très cliché en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est très très cliché et j'adore. C'était ça que je voulais. Elle avait listé les tropes, là elle avait dit donc ils font ça, ça, ils vont continuer leur truc et puis à un moment elle va vouloir sortir avec sa rockstar et elle se rend compte qu'elle a pas d'expérience niveau, you know, olé olé. Et donc elle demande au mec, apprends-moi à faire ça aussi du coup. Pour que j'ai de l'expérience et machin. Et donc il commence aussi cette relation là machin. Il y a le surnom Kitten, et donc c'est ça qui m'a fait passer du côté obscur de la force, oui, parce que le surnom chaton, ça date de Chasseuse de la nuit là, je m'en suis jamais remise. J'ai l'impression de lire une fanfiction sur Wattpad et c'est incroyable, j'aime trop. Et ça parle de Harry Styles, genre le mec rocker là qu'elle aime bien, il chante une chanson de Harry Styles, la pire chanson de Harry Styles, en plus il chante Cherry. Anyway, c'est vraiment The Deal de Elle Kennedy, sauf que c'est réécrit pour que, à la place qu'on parle des One Direction qui ne sont plus, maintenant on parle de solo Harry Styles. Et vraiment, c'est la seule différence entre les deux livres. Mais je m'en souviens, j'avais bien aimé The Deal et en ce moment, je sais pas ce que j'aime bien relire des livres. Relire des livres, mais pas en relisant directement le livre, en relisant un autre livre qui est recopié. J'aime bien. Voilà. Je me suis rendu compte que ouais, j'avais pas commencé mon vlog. Enfin, en fait, j'ai commencé aucun vlog, rien du tout, je faisais rien. Je mourais de chaud. Voilà. C'est comme ça. Après, il y a eu les orages, donc je mourais de peur. Je crois que j'ai pris un clip, je vous le mettrai juste après, où j'ai peur de l'orage, c'est drôle. Parce que je voulais filmer par la fenêtre l'orage, et en fait, il y a eu un gros coup de tonnerre, mais littéralement sur moi. Et je fais... Je vais faire mon montage, j'arrête de procrastiner et adieu, il est 3h du matin, qu'est-ce que... Bref. A plus pour une prochaine update.
Vlog. Coucou, je profite que je suis maquillée pour vous parler. La phrase, elle est pas dans le bon ordre. J'en profite d'être... Non. Je profite d'être maquillée pour vous parler. Bref, bonsoir, je suis maquillée. Je viens de filmer ma vidéo unboxing de mon anniversaire. J'ai eu plein de trucs trop bien. Et je suis trop contente. Et j'ai les mains qui sentent le savon. Vous saurez pourquoi si vous avez vu la vidéo. En question. Et donc on est le lendemain de mon anniversaire, j'ai pas filmé hier. On est le... Ouais, y a tout qui tombe parce qu'aussi j'en ai partout, hein, parce que je viens d'unboxer tout ça. Donc on est le 28... Mais pourquoi j'ai réfléchi aussi longtemps? Pourquoi j'ai regardé sur mon téléphone? C'est littéralement le lendemain de mon anniversaire, donc on est le 28. Vu qu'hier c'était le 27. Bref, donc on est le 28 juin. Hier j'ai pas fait grand chose finalement, j'ai beaucoup dormi parce que j'étais hyper angoissée, j'étais pas bien hier, j'étais fatiguée. Au programme cette semaine, chargée, très chargée. Ce week-end, je vais à Europa Park avec ma nièce. Et donc Europa Park, pour ceux qui connaissent pas, c'est un parc d'attractions qui est en Allemagne. Donc c'est juste à côté de l'Alsace, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est en Allemagne. Et c'est le plus grand parc d'attractions d'Europe. Et du coup tous ceux qui habitent à peu près dans l'Est, vers l'Alsace et tout ça, on va tous à ce parc d'attractions là. Et donc du coup on va emmener ma nièce là-bas ce week-end. Et on va dormir à l'hôtel. Donc si vous voyez des petites images juste après, c'est ça. C'est le parc d'attractions Europa Park. Et du coup c'est un truc à thème en rapport avec l'Europe. Voilà, donc il y a tous les pays d'Europe. Mais j'aime trop ce parc, c'est très pittoresque. J'aime bien les décorations, j'aime bien les petits trucs suivant les pays et tout. Et donc j'ai hâte d'y aller, par contre je pense que je vais pas supporter les manèges en fait. Parce que quand j'étais petite je les faisais, quand j'étais adolescente je les faisais. Mais en fait plus j'ai vieilli, plus je supporte moins bien les trucs à sensation. Mais donc... Voilà, ce week-end parc d'attractions et après, donc on y est le samedi et le dimanche je pars à Paris, oui oui, parce que le mardi il y a le concert de Harry Styles. Du coup je m'en vais à Paris en dimanche, donc dimanche soir je dors chez Mika et lundi, mardi je dors chez Lola et après je rentre mercredi. Mais bref, je vais être à Paris, je vais aller au concert de Harry Styles et donc beaucoup de trucs prévus pour ce week-end. Donc je vous dis le programme avant et là je vais laisser les clips esthétiques vous raconter l'histoire parce que c'est pas sûr que je puisse parler entre temps et lire et faire des trucs parce que là disons que je fais rien 364 jours par an et après il y a un jour où je fais tout. The next day. Yo yo l'astico, je suis en train de filmer quoi là, le vlog? Je pense, parce que je suis en train de filmer 15 vidéos à la suite avant de partir à Paris et de mourir peut-être. Je sais pas. Mais donc j'ai fini ce matin le livre de Kenzie Steiner, Blindside, et du coup suspense, je vais mettre 4 étoiles. Non merde, j'ai mis 3 sans faire exprès, pardon. Ah, il veut pas mettre 4. 4
Purée. J'arrivais pas. C'est parce que j'ai des ongles et j'arrive pas à mettre 4. Mais si, laissez-moi. Laissez-moi danser tout l'été. Laissez-moi mettre 4 étoiles, quand même. Parce que oui, c'était pas bien, mais j'ai bien aimé. comme d'habitude avec moi. C'est que c'était très... Attendez, je vais l'écrire dans ma review. Very tropey. Très trope, c'est-à-dire c'était très des ficelles de romance classique. Very sexy. Made me very happy. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment, elle a pris le fake dating, la fille qui est nerd et qui aime les bouquins et qui est vierge et qui machin truc et qui demande au footballeur de lui apprendre pour qu'elle puisse séduire un autre garçon et machin, vraiment the deal de Elle Kennedy, mais pareil en fait, la même chose, mais réécrit. Et voilà, et tous les clichés, dont le dernier cliché à la fin qu'il y a dans les romances, en tout cas les romances américaines. Les américaines, elles sont très strictes sur les règles de la romance, donc déjà on doit forcément avoir une happily ever after, donc une fin heureuse. Donc ça, moi, ça me va. Et une des règles des romances aussi, c'est d'avoir le third act... what? C'est pas concept, oh my god, c'est quoi a third act? Pas problème. Conflict, oh mon dieu, mais je... Bonsoir. Le third act conflict, c'est le conflit du troisième acte. Cette traductrice en chair et en os, et beaucoup en chair et en graisse. Donc il y a ça dans toutes les romances, enfin c'est une des règles de la romance aux États-Unis, c'est qu'à la fin, ils doivent s'engueuler, enfin en fait, il doit y avoir un truc, c'est où, enfin, une fois qu'ils sont ensemble, ils doivent se séparer à la fin. Pour mieux se retrouver à la fin. Voilà, et donc il y avait ce truc de third act conflict. Et en effet, c'était très cliché où juste il y a un espèce d'ultimatum tout pourri, où en général c'est juste le gars qui est bête et après on lui dit mais t'es bête ou quoi? Et là, ah oui, c'est vrai, pardon, désolé, et après c'est fini. Donc voilà, il y avait ça aussi. Mais comme tout le livre était cliché en fait, c'était vraiment tous les clichés de la romance. Et c'était ça que je voulais, parce que vraiment sur son TikTok, l'autrice, elle avait dit, bah il y a ça, 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 puis elle avait listé tous les clichés en fait, et vraiment c'était ça, et elle les a écrits à la lettre, mais très classiquement, je veux dire, genre vraiment très cliché. Et donc très smutty, très tropey, made me very happy, c'était bien. Mais là, j'ai envie de finir tous les livres que j'ai en cours, parce que j'ai plein de lectures en cours sur mon Goodreads, là c'est insupportable, et donc je veux les finir. Là déjà, j'ai fini Blindside, je suis contente, donc là... La romance, là. Faut que je finisse Glow, donc le tome 4 de la série que je suis à fond les ballons alors que c'est pas bien. Il faut que je finisse Enchantment of Ravens parce que pareil, je l'ai jamais fini. Puis j'en ai encore un autre, mais celui-là, je m'en fous, c'est pas grave. Bref, mais j'ai envie de finir au moins 2-3 livres dans mes currently reading, là, dans Goodreads, parce que ça me stresse. Et c'est tout. Je vais arrêter de procrastiner et je vais filmer mes vidéos. Bisous. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Sweet.
trust you when you say, that beauty lives in me too. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say, that beauty lives in me too. Set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Thank you.
Regarde, recule. Oh, Achille, là, regarde. Coucou Ilia. Ok, bonsoir. Ça va vous? Donc bonjour. J'ai fini ça. Je voulais finir tous mes livres que j'avais en cours et donc celui-là, voilà, je l'avais en cours, je me suis dit je vais le finir avant de partir. Et bref, je comptais lire quelques pages aujourd'hui parce qu'on est quel jour? On est jeudi. Et j'ai encore demain, et c'est tout. Mais donc je me suis dit, au pire, je le finis demain. Ouais, pouette. Il y a même eu un orage, il y a eu de la grêle, j'ai failli mourir, j'ai dû éteindre toutes mes lumières, couper toute l'électricité, mais j'étais quand même à la lumière d'une bougie, en train de continuer parce que j'en pouvais plus. Donc, j'ai fini. Et Masterpiece. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, les livres de Margaret Rogerson, c'est vraiment les livres que j'aurais voulu écrire. J'aurais voulu être un artiste, voilà, la chanson le dit. Et ben moi j'aurais voulu, et sauf que je suis pas douée, mais si j'avais dû écrire quelque chose, j'aurais écrit ça. Personnellement, j'aurais écrit ses livres à elle. Mais donc, comme moi je suis pas douée et que j'y arrive pas et qu'elle existe déjà, cette madame, et bah du coup j'ai pas à les écrire, moi j'ai plus qu'à les lire. C'est un côté poétique sans être trop, parce que quand c'est trop, c'est trop pico. Et ça en devient quelque peu ridicule des fois dans certains livres où par exemple ils utilisent quelque peu, comme je viens de le faire, mais où il y a des métaphores qui me sortent de l'histoire tellement ça finit par me faire rire parce que c'est trop. Mais là c'est poétique sans être trop, en étant réaliste et en étant moderne. En fait son écriture est moderne alors qu'elle écrit des fantaisies un peu médiévales. Enfin ouais, on est vraiment dans des univers de fantaisie où on a des petits villages ou des calèches, c'est un petit peu, pas historique, mais ouais, un petit peu médiéval. Mais pour autant, elle a une écriture assez moderne qui fait que c'est hyper rigolo, c'est trop drôle. C'est l'humour là-dedans, l'humour subtil comme ça, je vous dis, c'est ce que j'aurais voulu écrire, vraiment. C'est de la fantasy, de la romantasy. Le plot, c'est la romance. Littéralement, le plot, c'est la romance. Parce qu'en fait, un humain et un fée n'ont pas le droit de s'aimer, et c'est ça le plot, c'est ça, c'est la romance, c'est les lovers qui n'ont pas le droit de s'aimer, mais incroyable, enfin le génie, le plot c'est la romance, je vous dis, moi perso j'aurais écrit ça, c'est magnifique, c'est incroyable, le fait que son écriture soit hyper poétique et tout ça fait que tout le livre est ambiancé, mais je sais même pas, faudrait que je trouve un mot à part ambiancé parce que c'est une lecture d'ambiance, je sais pas comment vous dire, mais c'est pareil, c'est mon type d'écriture préférée, parce que c'est pas trop, mais en même temps, il y a des fois, pourtant j'étais pas concentrée, franchement, je vous jure qu'en lisant ce livre, j'étais aussi concentrée qu'en faisant cette chronique, où je pars dans tous les sens là, et que j'ai des troubles de l'attention, et que je suis jamais très claire dans mes chroniques, mais... Vraiment, en lisant, j'étais en train de regarder des vidéos en même temps. Je l'ai lu hyper lentement. En fait, le truc, c'est qu'il est court. L'histoire va très vite. Et je l'ai lu vraiment par petits bouts. Et bien sûr, il y a toujours cet effet à la fin où on n'arrive plus à le lâcher. Bon, moi, ça m'a fait ça, je vous dis. Même s'il y avait de l'orage, je m'en fous. Je préfère mourir. Mais voilà, j'étais vraiment pas concentrée. Et c'est ce genre de livre où, normalement, si vous n'êtes pas concentrée, je pense que si... Enfin... Si vous n'êtes pas à fond dedans, si vous n'aimez pas ce genre de livre, c'est des livres d'ambiance, ça peut vite être chiant, être ennuyeux comme livre. Vous pouvez vite sortir de l'histoire parce que vraiment, tout est dans l'ambiance et tout est dans la romance, tout est dans les personnages. Et c'est vraiment... pourtant, il y a de l'action, il y a des trucs qui se passent, il y a des trucs un peu gore, un peu... Vraiment, Margaret Rogerson, elle a ce truc morbide où des fois elle nous sort des trucs mais tellement creepy.
et qui font tellement peur. Et ça, pareil, j'aurais fait pareil, je sais pas, j'adore les trucs creepy comme ça. Là, c'était les fées et la féerie, etc. Ils avaient un glamour, donc pour ils se font passer pour des humains, ils mettent un glamour sur eux, je sais pas comment c'est écrit en français, mais bref. Et ils se cachent derrière un masque, en fait. Mais leur vraie apparence est absolument horrible. La vraie apparence de la féerie en général est affreuse et hyper creepy et fait trop peur. Et la manière dont elle décrit ça, j'étais... Vraiment, en plus, ce truc qui parle de l'automne, je vais arrêter de taper ce livre, mais ça nous parle de l'automne et l'ambiance creepy, ça va tellement bien avec, oh là là. Je suis jamais claire dans mes chroniques, moi, je sais plus où j'en étais, moi, au début. C'est un peu lent et ambiancé, mais le truc est court, et donc du coup, c'est pas trop long, je sais pas comment vous expliquer. Mais je trouve que c'est du génie. Et pareil, une romance en si peu de pages, il y a 300 pages. Et je vous dis, moi j'ai mis 107 ans à le lire, il y a 300 pages. J'ai mis 107 ans à le lire, donc ça m'a paru encore plus long pour moi. Donc peut-être que si vous le bingez en une fois, ça, vous allez vous dire c'est trop court. Justement, la romance et insta-love, ça aussi ça peut... j'ai vu que dans certaines reviews, les gens disaient « Oh, il tombe amoureux tout de suite, c'est chiant ». Oui, mais... genre, c'est 300 pages, et franchement, faire une romance en 300 pages, c'est pas possible. Sauf pour Margaret Rogerson, qui nous fait du, bien sûr du insta-love au début, et moi je me suis dit, bon bah voilà, elle peut faire que ça en 300 pages, bon ça va pas être très bien fait, tant pis. Mais si, parce que, au final, oui, il tombe amoureux hyper vite. Quand on est à la fin du livre, on est en mode, ah ouais, ils se sont rencontrés il y a 2 jours, j'ai pas capté. Mais... on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des millénaires et c'est trop bien fait. Je suis désolée, c'est trop bien fait. Elle prend ça, elle rajoute de l'humour au truc où vraiment ils tombent amoureux tout de suite et après ils arrêtent d'être amoureux très vite aussi. C'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse, 2 secondes après il est chiant, il fait un truc chiant, elle est là, en fait je suis pas amoureuse de lui. Non. Puis après il fait un truc mimes, elle est là, en fait si. Mais je trouve ça trop drôle et trop bien fait parce que c'est le seul moyen de faire cette romance en 300 pages et en quelques jours, surtout parce que vraiment cette histoire se passe en quelques jours. Par rapport à Sorcery of Thorns, je pense que je préfère encore Sorcery of Thorns parce que c'est personnel, des petits éléments. Bon, il y a le truc des livres dans Sorcery of Thorns, des bibliothèques. Là aussi, ça parle de livres un petit peu et j'étais hihi. Mais voilà, Sorcery of Thorns, c'est vraiment voilà, le truc des bibliothèques, des livres. Les personnages, j'adore Isobel, le personnage de Isobel dans ce livre-là. Mais le personnage masculin, je préfère Nathaniel dans Sorcery of Thorns que le personnage de Rook dans ce livre-là, même si Rook, il est trop mimes. Nathaniel, c'est parce qu'il est bi, et donc... mon âme. Mais Rook aussi, il est vraiment... j'ai mis plein de post-it où j'ai écrit « Je suis MDR, c'est une romance monstre ». Vous savez, les romances bizarres que j'ai lues, là, de TikTok, les trucs monstres où c'est des aliens, genre Ice Planet Barbarians et tout ça, ouais, bah ça, c'est pareil. Parce que en vrai, les fées, quand ils ont plus leur glamour, ils sont... affreux, horrible. Et Isobel, elle le voit des fois sans qu'il soit beau, en fait. Elle est toujours en mode... ouais, mais je l'aime bien quand même. La meilleure romance monstre que j'ai jamais lue. Il a plein de défauts, il est vraiment, en tant que fée, il est vraiment imbu de lui-même et il est pas... voilà, il connaît pas les émotions humaines et il est assez affreux, assez horrible, mais c'est le plus mimes de tous les fées quand même. Aussi, la manière dont il est confus face aux émotions de Isobel, genre elle se met à pleurer, il est là, ah, j'ai fait quoi? Elle est là, non mais je pleure pour un autre truc, c'est rien. Puis là, quoi? C'est trop drôle. Et je l'aime trop, il est vraiment mimes. Il arrive à chaque fois, il comprend pas les émotions d'Isobel et à chaque fois elle doit lui expliquer et ça amène beaucoup d'humour dans les dialogues et vraiment il est trop mimes. Mais voilà, le livre est forcément plus court donc je me suis plus attachée au personnage de Sorcery of Thorns. Aussi, je sais pourquoi les gens peuvent préférer Sorcery of Thorns, parce qu'il y a plus de pages, il y a plus d'action, plus de plot avec un méchant et un truc, voilà, là aussi il y a un méchant, mais c'est vraiment... Margaret Rogerson, elle a dit les autres personnages, on s'en fout, vive la romance. Parce que le vrai méchant, en fait, on l'aperçoit que aux toutes dernières pages. Et vraiment, le plot, c'est la romance. Et incroyable, je trouve ça trop bien.
Je trouve ça trop bien, c'était trop bien. La traduction, je pense qu'elle est assez bien faite. Les noms communs sont traduits, donc les prénoms et tout ça sont traduits, mais sachant qu'en anglais, bon bah là, lui, il s'appelle Rook, et du coup, Rook, ça veut dire corneille, apparemment, en anglais. Donc les gens qui le lisaient en anglais, c'est leur langue maternelle, et ils lisaient ça comme corneille. Enfin, je sais pas, la traduction est logique, en fait, même si... Ça fait un peu bizarre quand les noms sont traduits comme ça, les noms communs, mais on s'habitue, je pense. Ah ouais, par exemple, là, il y a une fille qui s'appelle Sigu, et je sais pas qui c'est, parce que du coup, ça s'appelle pas comme ça dans, dans la version... au fait, ça, c'est la version en anglais, hardback. On m'a demandé c'était quoi comme édition. C'est l'édition normale. En anglais, juste en hardback, et ça, c'est l'édition en français. Et donc, ouais, ils ont pas les mêmes noms. Mais ça, je m'en fous qu'il s'appelle Corneille, je trouve que ça ajoute vraiment à l'ambiance du truc, c'est tellement ambiancé. C'est incroyable, je vous dis, j'étais vraiment pas concentrée, je regardais des vidéos en même temps, et d'un coup je lisais une phrase, et j'ai mis un petit post-it dans mon livre, j'ai mis un post-it où j'ai dit, j'ai vraiment visualisé la scène, en une phrase. Elle nous décrivait, je sais pas quoi, des montagnes. Elle nous décrit en fait les différentes cours avec les différentes saisons. Et à un moment, elle nous décrivait un petit peu la cour de l'hiver. Alors, la cour de l'hiver, on la voit presque pas. Ça, vraiment presque pas. Et pourtant, elle a mis une phrase sur la cour de l'hiver. Et j'étais là, waouh, incroyable. Vraiment, j'ai vu le truc. Ce truc de cour et de saison et tout, incroyable. La fin, le truc avec le méchant et comment le méchant il est vaincu. Etc. Vraiment, j'aurais écrit ça personnellement, moi-même. La dynamique entre lui et elle, où elle est trop forte et c'est la meilleure, sans épée ou quoi que ce soit, parce que dans Sorcery of Thorns, elle est quand même assez badass et elle a une épée et tout ça. Là, vraiment, c'est tout un truc où on parle de craft, donc de. Comment c'est traduit ? L'art, oui, bah l'art, oui. Voilà, les fées, ils peuvent pas faire d'art. Et la façon dont elle utilise son art comme une arme, et son intelligence, et elle-même, son cerveau, comme une arme. je suis trop amoureuse d'elle, c'est incroyable. J'ai trop aimé. Je suis plus attachée à Sorcery of Thorns parce qu'il y a plus de petits. Il y avait de la représentation pour anxiété, bisexualité, le truc des livres et tout. Vraiment, j'étais en mode « Ah, ok ». C'est moi. Coucou. Là aussi, j'étais « Ah ok, c'est moi », avec à peine moins de petits clins d'œil, mais vraiment, il y avait des trucs. Par exemple, on parle de Isobel, quand elle se réveille, elle a des nouveaux boutons sur la tête. Et genre, les fées, ils comprennent pas, ils sont en mode « Waouh, c'est quoi ça ?» Puis elle est là « Ah, c'est mes boutons !» Et vraiment, je suis désolée, mais représentation très importante pour moi. Excusez-moi, mais très importante. Et plein de petits trucs, vraiment l'humour de Isobel, je me suis sentie représentée. La romance, le fait d'utiliser la romance comme un plot, je me suis sentie représentée. je veux faire ça. Donc voilà, franchement j'ai adoré. 5 étoiles, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est le meilleur livre de l'année? Et du coup j'ai pensé à The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen, qui est pour l'instant mon meilleur livre de l'année. Et du coup, je pense que lui, je vais le mettre juste après, parce qu'en fait... Je connais déjà Margaret Rogerson, je connais déjà Sorcery of Thorns, qui était mon livre préféré l'année dernière. Je suis capable de le mettre ex aequo, remarquez. Mais je me dis, The Bridge Kingdom, c'est un nouvel univers, une nouvelle romantessie, vous voyez, un nouveau truc. Là, j'ai l'impression que j'ai un peu relu Sorcery of Thorns, mais un peu différent, et que j'aime encore, et que c'est magnifique, et que toujours... préféré, vous voyez ce que je veux dire, parce que juste parce que c'est la même autrice, donc voilà. Mais franchement, livre préféré de l'année à part ça, ex aequo avec The Bridge Kingdom, c'est vraiment tout ce que j'aime. Il y a de l'orage, bonsoir, mais de la romantessie, c'est la romantessie, le pic de la romantessie, vraiment, c'est ça. C'est incroyable, je peux pas arrêter d'y penser. Il y a des scènes, mais ça c'est pareil que dans Sorcery of Thorns, j'ai mis des post-it où j'ai mis « ça c'est supérieur au smut ». Genre vraiment, dans les livres de Margaret Rogerson, il n'y a pas de smut, il n'y a pas de scène olé olé, mais il y a quelque chose de supérieur, vraiment supérieur à ça, c'est son écriture. C'est-à-dire qu'elle, il y a une scène, elle va décrire un truc qui est très très mignon, très très... Oh, juste un petit bisou, un petit machin, mais la manière dont elle écrit ça,
j'étais mieux que le smut, mieux que le smut. En gros, moi, j'aurais écrit ça aussi parce que je me vois pas écrire du smut en vrai. Au bout d'un moment, j'en pourrais plus, j'aurais cringé et j'arrêterais. Mais vraiment, j'aurais écrit une scène comme ça où il se passe pas grand-chose, mais t'as chaud. Je suis amoureuse de Margaret Rogerson. Je viens de la mentionner sur Instagram pour lui dire encore une fois que j'étais amoureuse d'elle et je pense qu'elle va me bloquer au bout d'un moment. Non, elle est trop mime, sans vrai, mais... Donc voilà, bref, je vous montre vite fait des petites réceptions et après, normalement, je vous aurais mis les clips de ce week-end quand je suis allée à Europa Park. Je vous aurais mis avant et je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il va être trop long après. Donc... J'ai reçu aujourd'hui le tome 36 de Yona of the Dawn, oui je sais, enfin Yona, princesse de l'aube en français, parce que Pika, c'était dans leur programme, et j'ai le tome 1 et 2 et 3, et le tome 36. Mais je sais que je veux lire cette saga parce que c'est la saga roman de Tessie par excellence en manga, apparemment, on m'a dit, et donc je sais que je veux la lire. J'ai reçu ce livre de la part des éditions du Petit Caveau. C'est ça, oui. Donc c'est Évasion nocturne de Nadège Fillon. Et pareil, c'est de la romantessie. Et donc j'ai pas pu résister, j'ai vu le mail et j'ai vu que c'était de la romantessie. Pour les fans de Sarah Jimas et tout ça, et donc j'étais bon, allez. Donc c'est l'histoire de Ivy qui est la fille d'Evaline Cooper, une célèbre danseuse, et de Heath Dark, le vampire le plus puissant des États-Unis. Let's go. Mi-vampire, mi-humaine, elle se sent horriblement seule, voyant le temps s'écouler au compte-gouttes. Lors d'une nuit ordinaire, elle fait un vœu à un papillon bleu, retourné dans le passé afin de le modifier. Le lendemain, à son réveil, elle se rend compte qu'elle se trouve en 2007, un an avant que les vampires ne prennent le pouvoir. Elle doit cacher son identité à un chasseur prénommé Mishka Miles. Et donc, Enemies to Lovers. Donc voilà, j'ai vu Roman de Tessie, Enemies to Lovers, les vampires, tout ça, où elle est. Aussi, j'ai reçu de la part de Hachette Roman ce livre-là. Donc, c'est After Love de Tanya Byrne. Voilà, déjà, en fait, quand il est sorti, les gens ont vu la couverture et m'ont tout de suite mentionné sur tous les posts et m'ont dit Nina, c'est pour toi. J'étais oui. Je l'avais vu en anglais aussi et déjà quand je l'ai vu en anglais je me suis dit oui. Donc sur la couverture il y a écrit même la mort ne pourra pas les séparer, je crois. Non, c'est ça, même la mort ne pourra les séparer. Incroyable. Et en fait j'ai demandé à Hachette Roman parce que maintenant je suis partenaire Hachette Roman. Au fait, je l'ai su à mon anniversaire, il y a eu les résultats le jour de mon anniversaire et du coup je suis prise comme partenaire pour l'année prochaine, enfin pour cette année. Mais avant ça, j'avais déjà demandé celui-là parce que j'avais adoré 6 mois par an aussi dans la même collection, enfin en tout cas chez Hachette Roman aussi, de Clara Duhart, et qui était pareil une romance FF très poétique, très contemporain, poétique, réalisme magique. J'avais adoré et du coup ils m'ont envoyé celui-là chez Hachette et ils m'ont dit si tu as aimé 6 mois par an, tu vas adorer celui-là aussi. Et donc, dès le premier regard, Ash et Poppy sont tombées amoureuses malgré leurs différences et des milieux familiaux que tout oppose. Pour la soirée du nouvel an, Ash décide de dormir chez Poppy sans prévenir ses parents. Inquiet, ces derniers lui demandent de rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, Ash est con... et quoi? J'arrive pas à parler, je vous jure, depuis tout à l'heure. J'ai dû faire 40 000 coupes parce que en ce moment j'arrive vraiment pas à parler. Je sais pas si c'est à cause de mon traitement ou quoi, mais j'ai des tics de bouche et j'ai des tics de langage insupportables. Et donc là, c'était con, je sais pas pourquoi. Donc H est déconcentré, ok, par une fille qui l'accoste. Elle se fait renverser par une voiture et meurt. Ah bonsoir, ok. La fille qui l'a accostée est une grande faucheuse. Et en tant que dernière personne à mourir avant l'ultime coup de minuit, Ash est devenue grande faucheuse à son tour. Ash a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela signifie oublier son premier amour. Or, elle ferait n'importe quoi pour revoir Poppy, morte ou vivante. Oh, je croyais que c'était un truc de vampire, mais en fait c'est un truc de grande faucheuse. Ah oui, derrière il y a du coup le livre. Dans la même collection du coup, le livre dont je vous parlais 6 mois par an.
qui m'a été recommandée par Mika. La grande faucheuse. Interesting. Et donc, bref, trop hâte. Si j'arrête de bafouiller un jour. Et sinon, je me suis acheté une coque pour mon ordinateur. C'est pas si compliqué que ça. Pour mon ordinateur. Et je me suis dit, s'il y a des gens qui, comme moi, aiment les trucs witchy et trucs machin comme ça, je vous mettrai le lien Amazon de ça, si jamais ça vous intéresse, pour mettre sur un Mac. Voilà, sur un ordi. Parce que c'est beau. Voilà, bref, c'est tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille. Je vais arrêter de parler parce que je ne peux plus. Petit emoji de la vidéo. Mettez un petit emoji corbeau. Mettez un emoji corbeau. Je vous l'ai déjà dit. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Pour un autre vlog, parce que j'étais déjà en train de lire ça il y a 50 ans. Mais c'est pas grave. Rendez hommage à Margaret Rogerson. Mettez un emoji corbeau. Ça existe, les emojis corbeaux? Ah mais déjà la dernière fois, je vous avais dit que ça n'existait pas et j'étais outrée, je crois. Ça n'existe pas, les emojis corbeaux. Oh là là. Bon. Mettez un emoji feuille d'automne, alors en l'honneur de Corneille. Non pas Corneille qui a écrit la chanson Je suis seule au monde, mais Corneille, le monsieur qui est dans ce livre. Voilà. Et qui est le prince de l'automne. Et donc mettez des petites feuilles d'automne. Parce qu'il n'y a pas de corbeau, je sais. Moi aussi, je m'indigne personnellement. Mais donc, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse tranquille. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!